Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Nous, on est le mardi, imaginez-vous, 17 déjà septembre. 17 septembre 2019, 11h28, heure du Québec. Avec une nouvelle qui va plaire aux astronomes en vous, les astronomes amateurs. Je sais qu'il y en a beaucoup. On va aller lire ça tout de suite. C'est un petit peu inquiétant, mais en même temps, que voulez-vous, ça fait partie de la réalité. 800 astéroïdes pourraient s'écraser sur la Terre d'ici les 100 prochaines années. L'ESA a annoncé que plus de 800 astéroïdes pourraient venir s'écraser sur notre planète d'ici le prochain siècle. Notre petite planète bleue a toujours été sujette à des rencontres avec des astéroïdes, notamment un des plus marquants fut celui qui est venu s'écraser il y a 65 millions d'années, mettant fin au règne des dinosaures. Mais d'après l'Agence spatiale européenne, la fameuse ESA, un grand nombre d'astéroïdes pourraient venir s'écraser sur la Terre au cours du siècle prochain. Combien d'astéroïdes, vous demandez? Ben, d'après eux, 878 astéroïdes ont été détectés et classés comme pouvant potentiellement venir s'écraser sur la Terre lorsque l'Agence spatiale européenne tient à rassurer. Il est fortement improbable que ces astéroïdes finissent leur course sur la Terre, même si les risques et probabilités, bien que faibles, ne peuvent pas être totalement écartés. Si un astéroïde, même plus petit que celui qui a décimé les dinosaures ainsi que 75% des formes de vie sur Terre, venait à s'écraser sur une zone habitée, cela pourrait résulter par la destruction de villes entières. C'est pourquoi les astronomes du monde entier, notamment donc ceux de l'ESA et de la NASA, se réunissent de façon régulière et récurrente afin de trouver des solutions viables en cas d'impact certain avec la Terre. Ils participent même à des simulations pour s'entraîner à devenir une telle catastrophe. En 2017, des astronomes et puissances spatiales mondiales devaient dévier ensemble d'un astéroïde, mais après de mauvaises communications et réflexions faites, cette simulation s'était achevée sur la destruction de la ville de New York. Les astronomes ont encore un peu de temps pour réfléchir à comment sauver notre planète en cas d'urgence, qui, bien peu probable, nécessitera que nous gardions notre regard tourné vers les étoiles dans les années qui viennent. Donc, 800 astéroïdes pourraient potentiellement s'écraser sur la Terre d'ici les 100 prochaines années. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, parce qu'il y a plein d'autres liens, vous pourrez aller visiter ces liens-là, c'est vraiment intéressant.